Bonjour, du coup moi c'est Zoé Lopatka et je suis en deuxième année à l'ISEG. En cours d'international, on va étudier chaque région du monde en voyant chaque pays un par un pour étudier son histoire, ce qu'on a le droit de dire ou ne pas dire dans certains pays par rapport à la communication, comment interagir avec des personnes qui n'ont pas la même culture que nous, tous ces petits tips-là. Et du coup, c'est intéressant parce que ce cours-là est donné par des intervenants qui ont eux-mêmes vécu dans ces pays, donc qui sont beaucoup plus à même de nous expliquer et de nous donner des anecdotes aussi sur leur voyage. Je vais vous parler d'un projet que j'ai réalisé cette année qui m'a beaucoup marqué. C'est un projet pour Maison M Paris, qui est une marque de cosmétiques parisienne. Du coup, c'est un projet qu'on a fait en lien avec IRTUB, qui est une école de design du groupe Ionis. Donc, déjà, c'était hyper intéressant parce qu'on a travaillé avec les créatifs. Donc, aussi, on a dû apprendre tout leur langage, savoir où notre travail s'arrêtait, où le leur commençait, enfin, ces choses-là. Et du coup, on a dû. Pour cette start-up, refaire toute la charte graphique, mais aussi toute la stratégie de communication et de marketing. Donc, c'est un projet vraiment complet et hyper intéressant. Comme vous pouvez le voir, j'ai un sweat avec écrit Zouzou parce que je m'appelle Zoé. Et du coup, c'est mon sweat d'asso parce qu'on a aussi une vie associative hyper active chez nous. Un B2 et 9 assos promis avec nous, vous aurez des sorties tout le temps. Et c'est un peu ça aussi la vie étudiante à Paris. En tout cas, si vous avez plus de questions, que ce soit sur les formations, l'ambiance de l'école, ces choses-là, n'hésitez pas à vous inscrire à nos rendez-vous personnalisés, qu'ils soient pr en présentiel ou en distanciel. Donc voilà, et à bientôt.